Dit à partir des 16 heures juste, mesdames et messieurs, quelles sont les attentes pour ce gouvernement? Nous sommes informés, il y a une ministre qui vient de démissionner, il s'agit de madame la ministre Stéphanie Mbombo. Quelles sont les causes? Qu'est-ce qui l'a réellement poussé à démissionner? Est-ce que pouvons-nous faire confiance à ce plan d'action que le gouvernement Judith Suminwa nous a présenté? C'est un mythe ou une réalité? Et puis nous allons aussi discuter par rapport aux émoluments des députés, 5 000 $ que vient nous dire Vital Kamerhe. Est-ce que c'est vrai réellement? Mesdames et messieurs, jusqu'à la 3 invités sur ce plateau, Maître Winner de l'UDPS à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir madame. Spectateurs qui sont tranchés exactement pour nous suivre. Laissez-moi aller très vite pour saluer tous les membres, les cadres, les combattants, les combattantes de l'UDPS qui ont toujours l'amour envers votre émission, que vous suivez aussi régulièrement. Merci, je les salue tous. Et qu'à cela détienne, madame, vous allez me permettre de saluer Joseph Makolo Chihuahua, qui est l'un des patriarches de l'UDPS, patriarche en termes de l'ancienneté, patriarche en termes de l'âge. Et c'est un monsieur très courtois, un monsieur très bien, un homme scientifique, un docteur. Dites-lui que je souhaite le recevoir sur mon plateau seul. C'est vrai. Oui, oui. Ok, il a écouté le message. Je pense qu'il est branché parce qu'il sait à chaque fois que je me déplace pour aller dans un des plateaux, il a toujours été branché pour nous suivre. En tout cas, je salue aussi les co-débatteurs. Et voilà, il y a Justin Bouloba, parti de Madame Henriette Ouamou. J'ai dit bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à nos chers invités, puis à nos co-débatteurs. Nous profitons l'occasion pour faire un petit coucou à Madame Henriette Ouamou, la Cléopâtre. Ces derniers temps, on l'appelle cerveau d'État. Vous savez que son silence, des fois, est cerveau en train de... d'État. Oui, exactement. Cerveau d'État et son silence est en train de faire peur. Les gens se posent la question, en fait, qu'est-ce qu'elle veut nous faire passer comme message? Mais je suis venu sur ce plateau pour dire à nos membres et à nos sympathisants que Madame Henriette Ouamou se porte très, très bien. Elle est toujours... membre et elle adhère au sein de l'Union Sacrée. Elle dit de garder votre patience et elle se prononcera au moment opportun. Merci. Il y a Henri Similar Mikanda, il est président Similar Kanda. Elle, un mouvement associatif, FOSIP, et puis allié du PPRD. Bonsoir. Bonsoir, madame. Très ravi de pouvoir retrouver les nombreux Congolais qui sont passionnés de Joseph Kabila et qui souhaitent ardemment son retour dans les affaires parce que tout simplement, nous avons compris que l'Union Sacrée, malgré tout, ça se fut sûr. Une malédiction pour le Congo et ben, des gens qui ont promis. Il faut savoir, il ne faut jamais oublier que tous ceux qui ont critiqué Joseph Kabila hier se retrouvent autour de Joseph, de Félix Tshisekedi. Tous ceux qui l'ont insulté, tous ceux qui ont dit, alors, c'est leur bilan, les bilans de l'opposition à Joseph Kabila au pouvoir. Donc, nous vous saluons et nous vous remercions pour votre soutien à Joseph Kabila Kabange et au PPRD. Et voilà, je commence l'émission avec Maître Winner. Maître Winner, le gouvernement souminois avait présenté son plan d'action. J'aimerais que nous puissions marteler vraiment sur le ministère de la Justice. La justice, comme dit la Bible, élève une nation. Il est certes que nous sommes un pays laïque, mais notre chef de l'État a prêté serment sur la Bible, devant Dieu, devant les hommes. Et voilà, on a un ministre de la Justice. Je me demande, premièrement, la question, je veux savoir, est-ce que le plan d'action de Madame Souminwa est réaliste? Bon, ce sont des questions presque qui ressortent dans votre question principale. D'abord, vous avez voulu savoir si la justice avec Constant Mutamba, malheureusement, je n'ai pas écouté la question ressortie. Non, je vais répondre à la question. Répondez d'abord. Alors, la question que je vais répondre, c'est selon que Mme Judith Suminwa va tenir avec son gouvernement ou pas. Donc, je pense que c'est ça la question principale. Madame, laissez-moi vous dire qu'il est certes difficile de critiquer les hommes s'ils n'ont pas encore été dans l'œuvre. Madame Suminwa venait à peine d'être investie. Je pense que c'était les 12 ou les 11 de ces mois. Et jusqu'à présent, madame n'a qu'une semaine. Et si vous prenez les jours où il est entré en fonction, où il a fait la remise et reprise, certes, c'était vers le 14, si je m'abuse. Et à ces jours, madame compte au moins 5 à 4 jours depuis qu'il est
première ministre. Et qu'à cela détienne, moi je suis confiant comme tout Congolais qui aspire le bonheur de son pays. Je suis en train d'espérer que la République démocratique du Congo que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ou soit ce que nous avons vécu hier, et que la République de demain soit certes une République qui va ramener des bonnes choses pour la population congolaise. Et selon les programmes présenté par Mme Soumino, qui s'est étalé justement sur les 6 axes. Et j'ose croire bien que parmi les 6 axes, vous verrez, il y a des axes purement techniques, tels que donner à chaque Congolais le travail de sang, et cela, ça va faire du bien et ça va bouger effectivement les dons sur le territoire de la République démocratique du Congo. Nous sommes en train d'aspirer au bonheur, effectivement, mais sinon, il serait impérieux. D'où proviendront les moyens? Mais elle va mobiliser. Les moyens, ça se mobilise. Les moyens, ça se mobilise. Nous avons un grand pays. Nous avons plus de 120 millions d'habitants. Déjà, avec la masse de nos populations, ça constitue le moyen costaud pour diriger le pays. Il y a plusieurs pays d'Afrique qui n'ont pas des minerais tels que nous les détenons. Mais il y a plusieurs pays d'Afrique aussi, ainsi que partout ailleurs, qui n'ont pas des minerais, des ressources naturelles. Mais nous également, nous n'avons pas seulement la masse populataire comme première ressource, et en plus nous avons des ressources minières qui peuvent nous aider effectivement à relever les défis. Ce qui est vrai, il faut des hommes qui sont capables effectivement pour y assumer des fonctions qui sont les leurs, et effectivement les faire avec la bonne foi et la volonté de ne pas entrer dans les dichotomies de vider des caisses de l'État et surtout de marcher contre-pied pour détourner les moyens qui sont propre pour le compte de la République. Et ce sont des actes que nous ne voulons pas que ce genre des actes puissent se répéter en République démocratique du Congo. Mais qu'à cela détienne, madame, laissez-moi vous dire sincèrement et vrai que moi j'ai pleine confiance envers le gouvernement de madame Soumino, et nous espérons de bonnes choses. Les ministres nommés ont-ils ce profil-là? Ont-ils qualité? Bon, il est vrai que la République égorge beaucoup de personnes. Nous sommes près de 120 millions d'habitants, je venais tantôt de le dire. Il n'est pas certes facile de sélectionner sur 120 millions d'habitants 54 personnes pour diriger les autres. Donc, c'est-à-dire, ce qui a été fait, j'ose croire bien qu'on avait vraiment fait fait ce qu'on appelle une sélection meilleure parmi les autres pour que la République soit réellement bien dirigée. J'aimerais poser la question sur le ministère de la Justice. Nous avons Constant Moutamba à la tête de ce ministère. Est-ce que a-t-il compétence? A-t-il le poids de gérer ce ministère de souveraineté? Moi, je me demande, le poids, c'est par rapport à son âge. Bon, entre guillemets, je doute si ce n'est pas par rapport à son âge, mais si réellement c'est par rapport à son intellectualisme. Je suis en train de croire que Constant Moutamba, c'est un intellectuel en République démocratique du Congo. C'est un homme qui a le niveau acquis, parce que c'est un avocat, certainement. Un avocat radié. Bon, il faut noter que vous êtes avocat. Radié. Premièrement, vous devez être avocat avant que vous soyez radié. Mais quand on vous fait radier, cela ne vous enlève pas la qualité comme avocat, mais ça bloque tout simplement. Est-ce que, maître, je suis en face de vous aussi. J'arrive. Laissez-moi. Un avocat avéré. Non. Laissez-moi terminer. Vous avez la parole. J'ai en face de moi un avocat avéré, maître Winner. Est-ce que c'est cohérent d'avoir à la tête du ministère de la Justice un avocat radié? La radiation, c'est une sanction administrative. Allez-y. Ça, il faut le savoir. Donnez la leçon, allez-y. C'est une sanction administrative qui provient du Conseil de l'Ordre. Mais c'est le Conseil de l'Ordre. Quand on prête serment, on ne prête pas serment devant le Conseil de l'Ordre. On prête serment devant la Cour d'appel. Donc, lorsqu'une sanction qui vient de l'autorité ordinale qui est le Conseil de l'Ordre, cela ne veut pas dire que l'homme ne reviendra jamais comme non. C'est une sanction qui doit subir pendant 10 ans, et après 10 ans, il va toujours recouvrir sa qualité comme avocat. Parce qu'il n'aura pas encore apprêté serment pour la deuxième fois pour qu'il revienne avocat. Et c'est comme ça que je dis. Ce n'est pas parce qu'il est sous sanction et que cela va l'enlever ipso facto sa qualité comme avocat, mais seulement on l'interdit de ne pas exercer comme avocat. C'est ça l'ignorance qu'on doit tirer. C'est cohérent. C'est purement cohérent. C'est vraiment cohérent. Donc, il est avocat, mais sous sanction de ne pas
exercer le métier d'avocat parce qu'il est sous sanction administrative revient par rapport au conseil de l'ordre. Donc ça, c'est évident. Maintenant, moi, je vous dis que Constant Moutamba, c'est un avocat. Et quand vous me dites qu'il est sous sanction, oui, les sanctions, on ne les refuse pas. Et faudrait-il encore prouver les sanctions? Parce que moi, je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu. Peut-être si vous en avez, vous pouvez me montrer. Mais je doute, mais je vous comprends tout simplement par rapport à vos propos. Mais Constant Moutamba, il est avocat. Mais ce n'est pas par le fait d'être avocat qu'il va faire de vous un bon gestionnaire, non? Merci. Constant Moutamba, nous l'accordons toutes les chances du monde pour qu'il gère très bien le ministère qui est le leur après. Merci beaucoup. Je passe la parole à Justin Boulouba. Vous avez suivi votre co-débatteur. J'aimerais poser la question. Vous êtes aussi, votre parti se trouve au sein de l'Union Sacrée. Est-ce que pouvons-nous faire confiance à ce gouvernement? Qu'apporteront ces derniers? Madame, au ministère de la Justice, je répète la question. Constant Moutamba, a-t-il qualité, a-t-il le poids de gérer ce ministère de souveraineté? Allez-y. Je vais répondre rapidement à cette question, mais bon, de toutes les façons, on ne peut pas faire passer ce que nous avons entendu de l'autre côté. Parce que c'est un ami, il a dit qu'il est de l'UDPS, dont l'UDPS, nous sommes tous au sein de l'Union Sacrée. Mais n'oubliez pas que nous, au sein de l'Union Sacrée, on avait donné notre son de cloche. On avait dit qu'on faisait partie, en fait, du PCR. Donc, un pacte pour un Congo retrouvé. Donc, on devrait avoir d'autres sons de cloche au sein de l'Union Sacrée pour permettre au chef de l'État d'avancer. Mais vous voyez que tout ce que l'ami a dit par rapport à votre question, vous sentez que, en fait, ce sont des gens qui sont en train de suivre, comme on dit, les poissons sont en train de suivre des lois, alors qu'en réalité, le courant peut-être l'entraîner à la mort. Oui, exactement. Je dois un peu commencer par ce que l'ami dit, que Constant Moutamba, c'est un intellectuel, monsieur. On ne dirige pas l'État parce qu'on est intellectuel. C'est fort, parce que si tel est le cas, j'ai besoin que vous me disiez sur ce plateau les niveaux qu'avait le premier chef de l'État, qui? Joseph Kassavubu. Mais aujourd'hui, Kassavubu est reconnu par rapport à son intégrité. Par rapport à son intégrité, quelqu'un peut être intellectuel, nous en avons pléthore. Tout le monde presque peut se dire aujourd'hui intellectuel. Mais quand vous n'avez pas de valeur, quand vous n'avez pas, en fait, des fois la probité morale, quand vous n'avez pas l'intégrité, ça ne sert absolument rien qu'on puisse vous nommer. Si vous dites sur ces plateaux que Constant Moutamba a été nommé parce qu'il est intellectuel, moi je suis désolé, bien que nous soyons aussi de l'Union Sacrée. Voilà pourquoi il fallait qu'il y ait un autre son de cloche. Je reprends, parce que bon, il dit tout de suite que nous sommes aussi de l'UDPS, nous donnons la chance à ces gouvernements, ou donnons chance à ces gouvernements. C'est bon, bien. Mais ici, nous devons d'abord voir la posture du gouvernement, madame. La posture du gouvernement, c'est-à-dire que qui compose les gouvernements? Parce que dans un système, quand vous voulez changer les systèmes, vous devez commencer par changer les éléments. Vous ne pouvez pas remettre les mêmes éléments et s'attendre à des résultats escomptés. Mais c'est aberrant. Je prends un exemple typique dans ces gouvernements. Il y a un monsieur, son excellence, à tout seigneur, tout honneur, maintenant là, il est ministre parce qu'il a été déjà investi. Monsieur Guizarro, excellence Guizarro, l'actuel ministre des infrastructures. Vous prenez Didier Boudimbou, tous ces gens-là, vous voyez, tous ces gens-là qui sont revenus. Jean-Lucien Boussa. Je ne vais pas citer la liste, c'est exhaustive, madame. Vous voulez vraiment avec de tels gens? Pour ne pas citer aussi Kibasa avec l'histoire des rames. Il revient encore au sein de ce gouvernement. Vous voulez que des choses changent? Non, ça ne va pas changer. Mais nous sommes en train de réitérer notre confiance que le chef de l'État, c'est un stratège. Peut-être par rapport à sa stratégie, il peut revoir. Vous avez vu qu'Akassia a démissionné. Akassia Badoubo l'a démissionné. Non, Akassia... non, c'est Stéphanie Mbombo. Excusez-moi, Stéphanie Mbombo. Blanc bonnet, bon, comprenez. J'allais dire Stéphanie Mbombo. Stéphanie était à la présidence. Pourquoi elle a démissionné? Donc, je vais toucher ça. Peut-être que les gens vont regretter aujourd'hui. Vous allez comprendre que ce sont des mêmes acteurs. Quand dans un système, il y a des mêmes éléments,
Le système ne peut pas changer. Nous, nous sommes en train de voir qu'il faudrait au moins qu'il y ait d'autres gens qui doivent, n'est-ce pas, activer la machine pour que des choses avancent, madame. Les gens n'ont pas d'eau, les gens n'ont pas d'électricité, les gens ne... Je vous dis qu'à un certain moment, en fait, vous êtes... J'ai toujours confiance à vous, vous êtes une grande journaliste et puis connue dans cette ville. Faites quand même les investigations, descendez sur terrain. Ne soyons pas dans des choses comme ça. Ce n'est pas le fait pour nous de venir ici dire, voilà, nous donnons confiance. Mais madame Soumino elle-même, madame Soumino a été au ministère du Plan. Mais qu'est-ce qui fait que la plupart sont là, ils viennent de l'opposition, n'arrivent pas. Hier, ils ont critiqué Kabila, non, mais vous n'arrivez pas à faire mieux que Kabila. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Madame, nous sommes en train de dire que ils peuvent venir comme ils sont en train de venir, mais nous, je suis quand même confiant qu'on donne quand même le temps pour observer. Mais moi, je suis contre tous ces anciens, en fait, qui n'ont rien foutu, qui sont revenus. Les autres qui étaient dans l'opposition, qui sont venus, s'ils n'ont jamais travaillé, donnons-leur la chance, parce que ce sont des Congolais, ce sont des patriotes. Nous ne pouvons pas refuser quelqu'un par rapport à son appartenance, c'est parce qu'il était chez Fayoul ou il était chez Kabila, non. Nous avons besoin des gens qui ont une certaine probité morale, qui doivent travailler pour l'intérêt supérieur de la nation. Mais moi, je suis ici, je suis contre tous ces gens qui n'ont rien foutu, qui n'ont pas d'expérience. Vous prenez Jean-Pierre Bemba, par exemple, au ministère de l'Intérieur, vous ramenez Jean-Pierre au niveau du ministère du transport. Jean-Pierre Bemba, vous faites la confusion entre Bemba, le père qui a dirigé, je ne sais pas moi, Sibé Zahir, ou Bemba, le fils qui était maquisard ou quelque chose comme ça. Il n'a aucune expérience en matière de transport. Mais quand vous venez maintenant revoir, par exemple, le programme de Madame Souminois sur les transports, vous verrez qu'il n'y a rien à la page 38, je crois le pilier 3. Où on vous dit, voilà, dans le domaine aéronautique, nous allons construire, par exemple, l'aéroport de Ndjili, nous allons réhabiliter l'aéroport de Kisangani et autres. Alors que vous ne pouvez pas commencer par réhabiliter les aéroports tant que l'autorité de l'aviation civile, l'agence, la structure technique qui détient l'aviation civile entre ses saintes mains, est encore locataire, qui n'a aucun bâtiment administratif, en train de louer chez des privés. Vous voulez que cette aviation civile puisse aller comment? Comment vous devez commencer par... En fait, au lieu de commencer en amont, vous commencez en avant. Donc c'est pour vous dire que... Laissez-moi vous relancer. Les ministres qui gèrent, ils pratiquent quelle politique? N'est-ce pas la politique du chef de l'État? Oui, certainement, mais ce n'est pas la première fois. Nous avons vu, moi par exemple, quand vous parlez de maître Constant Moutamba, je n'ai jamais vu là où Constant Moutamba a déjà dirigé. Je donne la chance à Constant Moutamba. Pourquoi? Parce que Moutamba n'a jamais dirigé. Nous sommes en train d'observer en fait, la manière de la gestion de Moutamba. Mais je suis contre, je vous rappelle encore que moi je suis contre le fait de ramener de mêmes personnes qui n'ont jamais foutu. Je ne sais pas, à cause des intérêts, je ne sais pas, liant ces gens par rapport, je ne sais pas, aux affinités, aux intérêts, tout ça. Alors que ces gens n'ont rien prouvé à la nation. Ce sont des gens à mettre dehors. Et nous sommes en train de voir, peut-être qu'au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, les chefs de l'État pourra peut-être appliquer sa sagesse. Mais quand l'autorité suprême commence avec des spectacles, en venant avec le chien, j'instruis le procureur par rapport à cette question. Je sais qu'on a un avocat sur notre plateau. Par rapport à cette question de qui? On les appelle des gays, des homosexuels. Est-ce qu'il y a-t-il une disposition de loi par rapport à cette question? Par rapport au chien, c'est un langage. On doit se dire on est intellectuel. Moutamba, ce sont des spectacles. Non, c'est pas, on a plus besoin des actions langage. Sur terrain. En politique, tout est communication, madame. Le fait que Moutamba arrive avec les chiens, c'est pour la toute première fois, vous avez vu que les gens se sont mis à dire qu'à un certain moment, ce sont des spectacles. Non, c'est un langage. Moutamba veut dire qu'en apportant les chiens, oui, les chiens, non, pas une viande, il amène certaines, en fait, qualités du chien. Les chiens, en fait, c'est l'ami de l'homme en matière de chasse. Moutamba veut dire à l'opinion publique que je ne suis pas venu seul. Dans ma gestion, j'ai en fait un système d'attaque contre les prédateurs, contre les gens qui volent l'État. Il va réellement attaquer. Ou je suis sûr et certain. Moi, faire. Je crois à Constant Moutamba depuis longtemps. J'ai vu comment il a lutté au sein de la NOGEC. Je crois à NOGEC. Moutamba, donnons la chance à Moutamba. Parce que Moutamba n'a jamais géré dans ce pays comme ministre.
Veuillons voir ce que Moutamba va nous donner. Mais au fur et à mesure que Moutamba ne nous donnera pas ce qu'il est en train de nous démontrer aujourd'hui, peut-être par rapport à ces communications, je ne sais pas moi, indirectes, là, nous allons enlever notre confiance. Mais pas, quant à ceux qui disent que bon, ce sont des trucs qui sont liés, je ne sais pas moi, en fait, Moutamba veut se faire voir ou il veut se faire prévaloir. Non, ne disons pas ça parce que nous n'avons pas encore vu là où Moutamba a déjà géré, madame. Je prends l'histoire des LGBT, comme on appelle la communauté gay, lesbienne et puis les autres. En fait, en République démocratique du Congo, jusque-là, il n'y a jamais eu la loi. Il n'y a jamais eu une loi, en fait, contre à cette communauté. Mais nous sommes censés, nous pouvons aller plus loin pour voir que, en fait, l'histoire de la communauté LGBT dans notre, en fait, société ou bien société africaine, c'est quelque chose qui relève une certaine, en fait, sensibilité. En fait, ça touche aux bonnes vies et mœurs. Des mœurs. Exactement. La loi, s'il y a déjà une loi ou bien une disposition, elle a dans ce sens. Pour traquer toute personne, n'est-ce pas, qui dérange la sensibilité ou bien qui dérange le bon vie et mœurs. Moi, je crois que ce n'est pas un problème déjà d'attaquer. D'ailleurs, c'est le moment pour que notre en fait, parlement ou bien nos législateurs voient déjà ce sens. Pourquoi pas, au lieu de commencer à faire des propositions de loi par rapport à cette question, lui, il a instruit. Non. Comme cette question par rapport aux gens qui doivent aller dans des hôtels, doivent avoir des certificat de mariage. Non, mais de toutes les façons, vous savez, ne vous confiez pas aussi aux réseaux sociaux, parce qu'à un certain moment, ce sont des choses qui sont venues comme ça, que les gens sont en train de voir sur les réseaux qui circulent. Est-ce que réellement c'est Moutamba qui a dit ça? Voilà. Moutamba, c'est une autorité. L'autorité ne s'exprime pas sur des réseaux sociaux. Non, il y a des voies légales qui sont appropriées, en fait, merci aux autorités beaucoup de s'exprimer, madame. Merci beaucoup. Je passe la parole à Henri Similar. Tanda. Vous avez suivi vos co-débatteurs. J'aimerais poser la question. C'est vrai que vous êtes de l'opposition, mais le bonheur de ce pays fera aussi votre bonheur. Très bien. Quelles sont les attentes de ce gouvernement? Ah mon Dieu, il faut aimer ce pays. Il faut aimer ce pays, madame. Mais ne soyez pas prophète de malheur. On n'est pas prophète de malheur. Oui. C'est la réalité, en fait. Je demande aux téléspectateurs de ne pas se laisser distraire par l'union sacrée. La même union sacrée, ici sur le plateau, vous allez observer qu'elle joue à la contradiction pour distraire l'opinion. D'abord, ils sont en train de distraire. C'est ça la première des choses que l'union sacrée fait au pouvoir. Pour nous permettre à ne plus nous intéresser à la chose principale qui doit nous préoccuper en cet instant, qui est la question de l'Est. Vous imaginez quelqu'un de l'union sacrée qui s'attaque à l'union sacrée, qui réagit et qui essaie de vous dire c'est au nom de la démocratie. Rien qu'en fait ça, on sent que c'est une famille politique non disciplinée. Mais c'est tout à fait normal. Ce n'est pas normal. C'est l'objectivité. C'est pas l'objectivité. On a vu le feu, madame. L'honorable Lokondo, tout en étant du FCC, lorsqu'il voyait les mains ici opposées, moi je saluais beaucoup son indépendance d'esprit. Que voulez-vous? Lokondo, que tout le monde soit des bénis, oui. Non, j'ai dit, madame. Allez-y. Lokondo, tout ce que Lokondo faisait, ce n'est pas la même chose que ce qu'ils font. Lokondo s'exprimait par moments et il donnait un point de vue. Mais là, maintenant, nous assistons en fait à une division, à une forme de désordre interne, à une désorganisation de cette famille politique qui a comme conséquence la fragilité des institutions, qui a comme conséquence l'anarchie dans la gouvernance de notre pays. C'est cela le vrai problème dont il faut pas mélanger les choses. Donc, madame, je tiens à vous dire ceci. Vous venez vous êtes l'origine de la dictature, non? Non, quelle origine de la dictature? Administrer un pays, dans l'administration d'un pays, dans les soucis au sein des pouvoirs. Du peuple perdé, lorsque Kabila dit non, ça restait non. Ce n'est pas une dictature. À l'UDPS, ensemble, lorsque Kabou a dit quelque chose, il y a des gens aussi qui ripostent au sein de l'Union sacrée. Vous vous trompez. Moi, par exemple, j'arrive à discuter avec, que ce soit le SP Ramazani Shadari, que ce soit son adjoint Ferdinand Kambéré. Je lui dis par rapport à ça. Il dit, ah, comme ça, on prend ça comme sujet. Lorsqu'on va se réunir avec ensemble, on va débattre de ça. On débat en privé, on débat en coulisses. Après avoir débattu en coulisses, lorsque le chef sort en public, le débat en interne est déjà clos. Donc, les questions politiques des gouvernances ou de la marche du pays ou du fonctionnement du PPRD sont débattus en interne.
tout membre du PPRD a le droit de faire des propositions et de dire ce qu'il veut. Moi, j'ai dit ce que je pense au PPRD. Jusqu'à présent, on ne m'impose pas à dire. J'ai des orientations. Je suis kabyliste et poutiniste. Le PPRD ne peut pas vous dire que je suis une kabyliste et poutiniste. Donc, il y a des choses que... Il y a une liberté d'expression et une liberté d'analyse. Mais le problème est qu'on doit rester dans une sorte de cohésion et d'harmonie pour que ça puisse ne pas fragiliser la réussite de notre émission qui est en fait le retour de Joseph Kabila au pouvoir. Donc, j'aimerais vous dire ceci, madame. Clairement, Constant Mutanda, c'est en fait une insulte pour la République démocratique du Congo qu'il soit ministre dans ce pays. C'est une insulte, cela démontre en fait une certaine légèreté dans les choix des animateurs du gouvernement. Vous imaginez qu'on nous parle d'un programme gouvernemental. On a Christian Mutamba, le jour de sa remise et reprise, qui nous sort du tiroir son programme à lui, qui n'est pas inscrit dans le programme du gouvernement. Donc, il a son programme et il dit, je vais voir ça avec le chef de l'État. Donc, comme si, donc, il outrepasse la première ministre. Donc, ça démontre en fait tout ce que nous voyons ici. L'anarchie, les désordres. Parce que lorsque on gère, il doit savoir qu'il est au-dessus de lui. C'est la première ministre qui est là. Et Constant ignore cela. Il voit directement les chefs. On a eu aussi un ministre de la Justice du PPRD qui s'est Tundaka Songo, qui n'était Tundaka Sende, qui n'était pas aussi En quoi? Qui n'était pas aussi qualifié. Hein? Quoi? En quoi? Qu'est-ce qu'il a un fait de mal? Un ministre qui dit Natuni Yemei. Non. C'est indécent. Il a dit ça à quelle occasion et sur quel propos? Est-ce qu'il a dit ça par rapport aux questions d'État ou il a dit ça par rapport à une situation politique? C'est ça qu'il ne faut pas confondre. Là, nous parlons des questions d'État. Nous ne parlons pas par rapport aux questions politiques liées, par exemple, à des points de vue politiques. Il a le droit de consulter sa famille politique en tant que ministre dans une coalition. Il a le droit de consulter. Il ne faut pas confondre un gouvernement de coalition et un gouvernement où le régime est d'une seule famille. Ce n'est pas un gouvernement de coalition que nous avons face. Un gouvernement de coalition, cela veut dire que les forces coalisent pour la bonne marche de l'État. Cela veut dire que chaque force a ses points de vue, chaque force a ses tenants et ses aboutissants. Et en fonction de ces caractéristiques, de tout cela, on doit harmoniser à chaque fois. Et il est important, lorsqu'on est ministre, de consulter les siens pour harmoniser. Ce n'est pas un mal. Mais moi, je trouve ce qui est indécent et que Constant Mutanda venir avec un chien, d'abord un chien très mal éduqué, parce que c'est pas un chien discipliné. Constant il donnait l'impression de courir derrière les chiens au lieu de marcher avec les chiens. C'était d'abord sur le plan image marketing, sur l'image communication, c'était un échec parce que il savait pas, c'était pas un chien discipliné, un chien éduqué. D'abord ça c'est en fait une insulte d'envoyer un tel message au monde. Donc il ne prend pas les affaires de l'État au sérieux. C'est en fait la comédie et la théâtralisation de la vie sociopolitique que nous vivons avec l'UDPS, avec un seul objectif de nous distraire de la question majeure de l'heure, qui est la question sécuritaire de l'Est du pays, qui s'étend sur l'ensemble de la République. Alors, on nous éloigne de ce qui est majeur. Concernant la question des LGBT, madame, c'est encore en plus une distraction. Est-ce que dans un pays où nous avons des lois qui existent, qui définissent notre société, nous avons le code de la famille qui définit notre système matrimonial. Alors, en quoi vous voulez légiférer là où aussi longtemps que vos points de vue à vous sont pour la protection de la famille? Si réellement ce régime veut protéger la famille, mais il n'a qu'à appliquer les lois existantes. Mais au lieu de pouvoir aller dans la voie de l'application des lois existantes, les régimes, ça crée en fait un besoin des distractions parce que tout simplement les systèmes LGBT, c'est en fait ce qui pourrit maintenant l'Europe. Aujourd'hui l'Europe est en décadence sociale, aujourd'hui l'Europe est en train d'assassiner la famille et ces mêmes questions d'assassinat de la famille, on veut nous amener ça ici. Constant Mutamba veut réglementer les choses en cette matière. Il veut réglementer quoi, madame? Il veut réglementer quoi? Que les hommes et les hommes couchent ensemble? Non, il est contre ça. Mais s'il est contre ça, il doit appliquer le code de la famille. Notre loi, le code de la famille ne reconnaît pas ce genre de pratiques. Il n'a pas à légiférer là-bas. On légifère lorsqu'on veut ordonner quelque chose. Lorsque notre loi
est clair en cette question et que le mariage qui est reconnu au Congo n'est pas, c'est là les autres. Vous comprenez que c'est quelqu'un qui ne maîtrise rien, un distrait, un rêveur qui ne comprend rien. Non, non, non. Pas de mots forts. J'ai dit. Pas un rêveur. Mais est-ce que rêver, c'est une infraction? Pas de mots forts. Bon, pour être courtois envers vous, je suspends cela. C'est quand même. Mais être rêveur, non, être rêveur, c'est. Il est permis à un homme de rêver, mais pas de rêver. S'il vous plaît. Bon, d'accord, madame. Disons réellement les choses comme il se doit. Il n'est pas à sa place. Et c'est cela, c'est traduit dans l'ensemble des ministres. C'est en fait un gouvernement qu'on a pris 7 mois. Chuté. On a pris sept mois à avoir un gouvernement dont le peuple ne peut pas s'y retrouver. Et les hommes qu'on a choisis, ce sont des hommes qui n'ont aucune maîtrise des enjeux. Permettez-moi, par exemple, madame, lorsque là où un ancien rebelle échoue, la meilleure des choses pour le ministre de la Défense, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait carrément prendre un militaire. Un militaire, on l'élève au rang de ministre de la Défense. Pour permettre à ceux qui puissent être dans le temps pour pas même. Mais on prend encore quelqu'un qui n'a jamais connu la question sécuritaire. On les met là-bas. La conséquence, c'est qu'on fait des questions majeures de la République. On donne ça aux étudiants. Des gens qui doivent apprendre tout en existant. Je tiens à préciser. Jour, hein? Madame, on n'apprend pas. Madame, le pouvoir n'est pas une soupe qu'on doit faire goûter à tout le monde, comme j'entends ici. Le pouvoir n'est pas une soupe que tout homme doit passer dedans. Le pouvoir n'est pas ouvert à tout le monde. Tout le monde n'est pas appelé à tour de rôle à être des ministres. Parce que c'est la vie des communs des mortels. C'est la vie et la destinée des citoyens congolais. C'est la vie et la destinée des citoyens congolais qui implique, qui exige en fait une certaine célérité, une certaine maîtrise et une certaine carrure. Pour en arriver là, on ne peut pas. Madame, la vie politique n'est pas une soupe. Et donner à tout le monde la chance d'y accéder. Je terminerai en disant ceci. Le Congo aujourd'hui n'a pas besoin de tout ce que nous voyons, monsieur de l'Union Sacrée. Le peuple a besoin des hommes responsables, matures, capables de répondre aux questions majeures qui touchent la société. Les hommes, c'est pourquoi des fois à un moment donné, je me suis toujours étonné. Bon, balongwa kaka, tozo atabatu mususu. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi est la volonté de l'opposition. Félix Tshisekedi n'est pas la volonté de Kabila. Ça, c'est une bêtise lorsque j'entends ça. Félix Tshisekedi, c'est l'opposition, disait Moutounio Soazwa. Félix Tshisekedi, c'est le chef du rassemblement de l'opposition. C'est le président de Martin Fayoulou. C'est le président de Moïse Katumbi. C'est le président de l'opposition. Et autour de Félix Tshisekedi, Katumbi se retrouve. Non, plutôt, Katumbi se retrouve. Autour de Félix Tshisekedi, Martin Fayoulou se retrouve, même en cachette. On le sait. Il condamne Katumbi de vouloir être président de Nini, mais de porte-parole de l'opposition. Mais or, lui-même, en soutenant le PPRD, avait dit, refusant de participer à ces élections pour éviter de donner la légitimité à Félix Tshisekedi. Mais ils ont préféré aller dans une collaboration avec Félix Tshisekedi et une distraction du peuple. Le double jet de Félix Tshisekedi, le double jet de ses partenaires. Si aujourd'hui Félix Tshisekedi échoue, c'est l'opposition à Joseph Kabila qui a échoué. N'est pas Kabila qui a échoué parce que Kabila a remis le pouvoir à l'opposition, à lui. Ceux qui l'ont contesté, Bemba a contesté Kabila. Merci. Tout ce monde-là sont autour de Félix Tshisekedi. Et voilà, je passe la parole à Maître Winner. Vous allez rebondir, mais je pose la question par rapport... vous êtes tous au courant que Vital Kamerhe avait dit que les émoluments de députés reviennent à 5 000 dollars, donc 14 millions de francs congolais. Est-ce que c'est une réalité, c'est vrai? Merci beaucoup, madame, pour votre question. Merci, bondissez. Et bon, je ne vois pas ce que je peux rebondir en réalité parce qu'on a tenté sembler me contredire en ce que j'avais dit, mais je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu dedans. Quand je dis que Constant Mutamba c'est un intellectuel, par rapport à votre question, s'il méritait d'être ministre, quelqu'un sur le plateau me dit non, on ne peut pas mettre un ministre seulement par le fait qu'il est intellectuel. On a même cité les exemples. J'ai dit les critères. Je suis discipliné, mais il faut discipliner tes invités. Laisse-lui parler. Laisse-lui parler. Allez-y, maître. Je pense que lorsque vous débattez avec des hommes assurdis dans les mémoires, il faut être au même diapason pour que les choses aillent proprement. Il y a des gens qui nous suivent à la maison. Je suis en train de dire que un des co-débatteurs ici
a même tenté de donner l'exemple pour dire que Kassavubu, ses vice-présidents de la République, il n'était pas intellectuel à l'époque. Mais je lui dis que c'est faux. Kassavubu, c'est parmi les hommes, les grands hommes de la République intellectuels que nous avons connus, parce qu'avant qu'il soit président de la République, il a été bourgmestre dans ces pays. Et il ne pouvait pas se retrouver bourgmestre s'il n'était pas capable d'assumer les choses de la République. Et par la suite, ce qui m'a un peu énervé, un tout petit peu, c'est de constater qu'à la fin, lui-même, monsieur, il chute pour dire que Constant Moutamba, c'est un intellectuel, voilà, il va assumer des fonctions au ministère de Justice. D'ailleurs, vous avez vu, il a été accompagné avec un chien, tout ça. Il commence à inventer encore Moutamba. Donc, je ne sais pas, quel est le sens de voir les choses. Bon, peut-être lorsque on est peut-être perdu dans ce qu'il faut dire, et il faut ramasser les choses et faire plaisir à la population. Nous avons déjà dépassé ces genres de niveaux pour atteindre d'autres esprits qui nous amènent d'aller de l'avant. Mais seulement, madame, à ce qui concerne... D'abord, je vais revenir à mon frère pour lui dire que ce qu'il est en train de dire, je le félicite comme un opposant, parce que tout un opposant averti peut prendre ce genre de langage. Parce qu'actuellement, il est vrai que celui qui a l'opposition, c'est Joseph Kabila, parce qu'il fait l'opposition extra-parlementaire. Mais les autres là, ils ont tenté d'entrer dans les institutions, entre autres Fayoulou qui a tenté d'entrer dans les institutions, mais il n'a pas réussi. Les Katumbi et consorts sont des opposants institutionnels, donc nous sommes ensemble avec eux. Et d'ailleurs, ce qui est difficile, ce qui est grave, Katumbi est en train de solliciter, enfin qu'il soit les chefs des files de l'opposition, tout en oubliant que lorsque vous serez les chefs de file de l'opposition, on va vous payer par la République. Vous aurez le rang du ministre. Et en conséquence, c'est la République qui va commencer à vous rémunérer. Mais lorsque vous allez toucher l'argent de la République, dites-moi comment vous allez contredire ou soit proposer le contrepoids à l'écart du pouvoir. Ça sera difficile. Il n'a pas tort de ce qu'il vient de dire. Donc, il faut continuer comme ça, comme un opposant. Je pense que ça va aider la République de soutirer quelques propos de votre bouche pour diriger la République. Sauf que, à ce qui concerne des propos allant dans le sens de toucher des personnalités physiques, là, il faut arranger. Maintenant, madame, Vital Kamerhe a pratiquement raison. Nous avons des lois sur table. Nous avons des lois de finances sur table, madame. Depuis 2018, 2019. D'abord, on peut aller reculer, voir même derrière. Depuis 2006, 2007, jusqu'à ce jour, il n'y a jamais eu un gouvernement en place, si un gouvernement qui fonctionne s'il n'y a pas une loi budgétaire. Ça ne va pas exister. Or, de toutes les lois budgétaires de la République démocratique du Congo, nulle part tu verras dans une loi qu'on dispose qu'un député pourrait toucher 21 000 dollars. Ça n'existe pas. Même si lorsque vous allez prendre tous les budgets dans son entièreté et vous faites les calculs simples, divisé par nombre de députés qui sont au nombre de 500 et au moyen donc qu'on va leur donner 21 000 dollars. Même les anciens députés ont dit qu'ils touchaient 21 000 dollars. J'arrive là-bas. Certains disaient 18 000 dollars. Mais aujourd'hui, directement, plus d'un coup, 5 000 dollars. C'est de là que les intellectuels maintenant réfléchissent. Sauf ceux qui ne sont pas intellectuels peuvent penser autrement. Un intellectuel, on ne peut pas l'incomber les choses et il accepte. Madame, de tous les gens qui ont circulé pour vous dire qu'un député touchait 21 000 dollars, personne n'a brandi la preuve justifiant ces sommes-là. Personne. Mais quand Vital Kamerhe vous dit, le débat là, je l'ai trouvé, bien que je suis au perchoir, j'ai trouvé le débat de 21 000 dollars, mais en entrant en fonction, quand j'ai consulté toutes les lois budgétaires, depuis 2006, je n'ai trouvé aucune loi qui dispose qu'un député pourrait arriver au point d'obtenir 21 000 dollars. Et ce que lui a vu à la dernière législation, soit à la dernière année du dernière législation, là nous sommes en 2022-2023, la loi des finances sur ce thème-là, veut à ce que un député vous touche 3 500 dollars. C'est seulement la loi de budgétaire de 2023 qu'un député a touché 5 000 dollars. C'est justifié et cela est payé même dans des banques. Cela est payé dans des banques de la République démocratique du Congo. Le banque n'est pas loin que juste derrière votre immeuble. Vous pouvez aller se renseigner, on va vous donner un député. Maintenant, ce qui frise, lorsqu'on vous dit que voilà, bien qu'il touche 5 000 dollars, mais il y a les invisibles. Madame,
Est-ce que nous sommes des petits-enfants pour qu'on nous parle des invisibles? Nous, là, nous sommes des petits-enfants. Bon, prenons, raisonnons dans l'absurdité maintenant cette fois-là. Rabaissons un peu nos intelligences en bas. Acceptons qu'il peut y avoir les invisibles. Acceptons. Madame, c'est lui qui vient avec la question des 21 000 dollars. Lui-même était député national, Martin Fayoul. Martin Fayoul est député national de 2011 jusqu'à 2018. Vous allez se souvenir qu'il y a eu une classe glissement qui s'est fait de 2016 à 2018. Pendant ce temps-là, Martin Fayoul, député national. Mais il n'avait pas siégé, c'était sa suppléante qui siégeait. Oh, madame. Mais oui, c'était maman Charlotte, la dauphine Charlotte qui siégeait. Madame. Je crois que le monsieur, il est parmi les hommes d'État. Veuillez chuter. Et c'était justement pour dire que lui, s'il est vrai que dans la faisabilité, il touchait les invisibles comme le moyen financier, c'est que lui, il est en train de tromper alors notre appel. Donc, selon vous, les invisibles n'existent pas, il n'y a pas de rubrique. Mais madame, tout est calculé. Ah bon? Tout est calculé. Parce que, écoutez, un politique sérieux sur cette table, il va vous dire que le budget est subdivisé selon les institutions. Maintenant, écoutez, prenons l'exemple bizarre, soit bête, parce que je n'ai pas encore de chiffres concrets. Je peux prendre, par exemple, 100 000 dollars qu'on peut allouer à l'institution Parlement. Madame, si vous divisez cet argent-là, veuillez à ce que chacun d'entre nous touche 5 000 dollars. Mais s'il faut aller au-delà, d'autres argent à compléter vont provenir d'où? Même s'il faut dormir dans notre berceau. Merci beaucoup. Ça, ce sont des questions. Mais c'est qu'il faut signaler maintenant à la population, parce que je pense que mon frère va relever ça. La loi des finances actuelle de 2024 veut à ce que lorsqu'on fait des calculs, un député de 2024 va toucher 8 630 dollars. Ce n'est pas 33 000 dollars. Non, ce n'est pas 33 000 dollars. C'est impossible. Là, c'est tout le budget de la République. Je passe la parole à Justin. Justin, les émoluments de députés revient à 5 000 dollars. Mais permettez-moi de rebondir, madame. Allez-y. Parce qu'on parle des niveaux ici. Parce que, vous savez, à un certain moment, quand on passe sur le plateau, il ne faut pas, des fois, à un certain moment, venir faire ce qu'on appelait en latin l'art de Benedicendi. Pour faire voir aux gens que nous parlons. Vous avez 6 minutes, s'il vous plaît. On parle du niveau, madame. Permettez-moi de relever quelque chose. C'est sur ces plateaux, nous avons ouï dire qu'il y avait une sanction administrative sur ces plateaux. C'est où? Avec quelle langue? C'est avec la langue de Molière. Quand on ne maîtrise pas d'abord de un la langue, je ne sais pas comment on va réfléchir. C'est sur ces plateaux que nous avons ouï dire ipso facto. C'est ipso facto. Ça n'existe nulle part et les téléspectateurs sont en train de suivre cette émission. C'est sur ces plateaux que j'ai ouï dire quelqu'un peut-être parler que vous pouvez aller se renseigner. C'est en quel français? Non, on dit si vous pouvez aller vous renseigner. C'est sur ces plateaux où j'ai entendu quelqu'un dire rabaisser l'intelligence en bas. Quand on rabaisse, on ne rabaisse pas en haut, on rabaisse en bas. Et sur ce genre de pratiques, et vous voulez nous parler du niveau? Non, vous ne parlez pas à un apprenti ni à un compagnon. Vous parlez à un maître dans l'art. Je vous dis que la politique, les autres le font par art. Nous faisons la politique par connaissance. Nous avons un diplôme certifié d'une grande université. Apaisez-vous. Ce n'est pas des choses comme ça qu'il faut à un certain moment. Parce que bon, vous savez, il faut à un certain moment rester modeste. Le niveau n'a pas besoin de se dire, le niveau se démontre. Juste à 3 minutes, quelqu'un peut comprendre le niveau et savoir si tu es classé... Je ne sais pas moi dans quel rang. Revenons sur ce qu'on était en train de dire. Je commence avec mon frère du PPRD qui est à côté. Quand il dit à Constant Moutamba que Constant Moutamba ne suit pas les programmes. Non, vous devez faire la différence entre un programme et un agenda, monsieur. Chaque ministre suit les programmes instruits par le premier ministre au sein du gouvernement. Mais chaque ministre au sein du gouvernement a ce qu'on appelle l'agenda. Je voudrais vous donner un exemple, par exemple. Je vais vous donner un exemple typique. On peut vous dire, par exemple, qu'aujourd'hui, nous avons 5 routes à construire. Mais chaque ministre peut voir, selon son agenda, quelle est la route qu'il faut peut-être commencer. Quelle est la route qui touche peut-être à la sensibilité par rapport à un... Parce qu'il a un cahier des charges qu'il doit à un certain moment respecter. Ce n'est pas le fait que Moutamba commence par peut-être démontrer ce qui était dans son agenda. C'est ce qui va peut-être permettre aux autres de dire ce plateau que Moutamba est allé à côté du programme. Non, donnons la chance à Moutamba. Observons ce que Moutamba doit peut-être nous donner. Moi, j'ai confiance à Moutamba. Il parle du retour de Joseph Kabila. Même dans vos rêves, oubliez des choses pareilles. Si nous sommes ce que nous sommes devenus aujourd'hui, c'est parce que Kabila a géré mal ce pays. Oh. Si nous croupissons dans ce... Mais oui, les 18 ans que nous sommes en train de... D'ailleurs, Tshisekedi, c'est quelqu'un qui devrait d'abord... Question, non. S'il vous plaît. On ne peut pas faire passer ça, madame. C'est une émission à caractère pédagogique. Les gens doivent suivre. Dire aux gens que... En fait, faire rêver aux gens que Kabila peut revenir
dirigeants encore ces pays. Oubliez ça, même pas dans vos rêves, même pas dans vos pensées, même pas encore dans votre subconscience. Tu sais qu'elle dit, en fait, Kabila, c'est un président, en fait, pardon, c'est un ancien président, il a le statut d'un sénateur. Au-delà de tout ce qu'il peut faire, il peut encore apporter son soutien, pardon, il peut encore apporter sa pierre donc, à la construction de l'église. Dans d'autres même, domaines, il en est de même aussi avec Tshisekedi quand il passera. Les sénateurs à vie, les ne reviendra plus les jamais au pouvoir. Les institutions restent. Kabila ne sera plus jamais président dans ces pays. C'est un sénateur, c'est un commandant qui peut encore revenir avec d'autres choses. Parlons du 5 000 $, madame, parce que bon, moi je vous ai toujours dit que moi je donne un son de cloche différent. Je ne suis pas dans les dialogues ou bien dans les populismes, parce que nous sommes au sein de l'Union Sacrée, nous devons dire des choses, parce que bon, non. Moi je fais une lecture. Commençons par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il dit que moi j'ai besoin de redonner la dignité à un député. C'est-à-dire que j'ai besoin qu'un député ne soit plus un clochard ou quelqu'un qu'on appelait autrefois, quelqu'un qui pleurniche tout ça par rapport peut-être à la survie de sa famille, soins médicaux ou autre, toute chose. C'est-à-dire qu'on avait compris que Tshisekedi avait peut-être besoin de donner quand même l'ultimotif, en fait, de donner un coup de pouce par rapport à la rémunération des députés. Si c'est seulement si les députés avaient 5 000 $, c'est-à-dire, quand nous prenons le propos de Tshisekedi, on comprend que Tshisekedi avait peut-être besoin de majorer en fait, les émoluments d'un député pour qu'un député se sente à l'aise dans ce qu'il reçoit comme émoluments, afin qu'il puisse bien servir le pays. Mais Vital Kamerhe arrive. À l'entrée du jeu, Vital Kamerhe dit à Mme Soumino que « Madame, je crois que nous n'allons plus rien vous demander. » C'est une chose qui doit nous amener à réfléchir. À réfléchir et à comprendre et à faire sortir cette fois ce que les autres ne disent pas. Pourquoi Kamerhe doit se contenter de rester dans les 5 000 $ et l'assistance ne dit rien, alors que l'assistance, nous parlons des députés qui étaient au sein de l'hémicycle, attendait du chef de l'État une certaine majoration pour le bien d'un député. Quand Kamerhe dit ça et nous comparons avec ce que le chef de l'État avait dit, moi personnellement je trouve qu'il y a quelque chose, il y a l'anguille sous roche. Peut-être. Mais voilà là où il tape fort, il dit, nous n'allons pas vous laisser tranquille, nous allons frapper fort à ce gouvernement parce que c'est notre rôle et puis nous devons contrôler. Moi, je pense que c'est déjà quelque chose que les gens doivent bien surveiller. Quand le chef de l'État dit, ah, et puis il y a un chef du Parlement qui vient dire B, c'est-à-dire déjà il y a une certaine contradiction, mais nous devons entrer en profondeur pour connaître. Merci. Et quand il dit 5 000 $, madame, moi j'ai besoin de... Je connais un député qui est provincial. Qui, en fait, parce que c'est moi peut-être qui gère en fait, ces histoires ayant trait aux finances. C'est 5 000 $. Moi, j'étais stupéfait de voir que personne n'avait réagi dans la salle. Alors que les députés provinciaux même ne touchent même pas 5 000 $. Ils sont au-delà de 5 000 $. Comment un député Mike provincial... Mike dit 8 000 $, je me souviens. Un député provincial qui touche moins... En fait, qui touche plus qu'un député national. Ça nous laisse à Merci désirer beaucoup. Un certain moment. Et puis, avec de telles choses, nous devons venir sur ces plateaux parce que nous sommes au sein de l'Union Sacrée et dire non, il faut qu'il y ait l'harmonie dans ce que nous disons. Un député, si réellement il touche 5 000 $, selon moi, Bouloba, je crois que c'est encore trop. Moi, je crois qu'il faut réduire encore. Merci. Parce que nous devons localiser cet argent-là dans d'autres choses qui sont, en fait, liées directement à la vie Merci. De la population. Merci. Je passe la parole à Henri. C'est quand même bien, non de... à 5 000 $. Madame, vous savez... la réduction des trains des institutions est en marche. Hein. On ne réduit pas les trains de vie de l'État lorsque les 50% du budget de l'État est consommé par les voyages du chef de l'État. Ce n'est pas réduire les trains de vie de l'État. Ça, c'est en fait une comédie. Ça, c'est en fait une distraction des mauvais goûts. Donc, je pense qu'on doit plus aller dans le sens du côté réalisme. Lorsqu'on a des projets... des projets pharaoniques, des éléphants blancs, c'est ça, c'est plus précis, qui coûtent des milliards à l'État congolais. Lorsqu'on arrive à hypothéquer la souveraineté nationale en signant des contrats de cession de l'aéroport Benjili, des cessions des immeubles qu'on est en train de construire, à reprendre après 45 ans, à reprendre après 26 ans, je me vois que Félix Tshisekedi ne fait que détruire l'État congolais. Son régime n'a pas d'idée sociale ni d'État à donner à ce peuple. Mais il a plus l'idée de balkaniser ce Congo. J'ai entendu ici, on me dit non, Joseph Kabila ne pourra pas entrer parce que si nous souffrons aujourd'hui, c'est grâce à Kabila. Oh mon Dieu! Est-ce que c'est faux? Oh mon Dieu!
Madame, avec 2000 francs, vous aviez 1 kilo de Thompson, madame. Mais aujourd'hui, il faut aller dans les 10 000 pour avoir 1 kilo de Thompson. Madame, le bus Transco, pour la ligne rien que Kinshasa, avait plus de 80 bus. Les Congolais allaient librement. Transco ne faisait pas les demi-terrains. Félix arrive, il détruit des postes au sein de Transco. Il trouve le régulateur. Il n'y a plus de régulateur. Régulateur, cela veut dire la personne qui contrôle le mouvement des bus. On les mettait dans chaque terminus. Il n'y en a plus. Maintenant, là, c'est les chauffeurs et les receveurs. Lorsqu'ils disent non, nous allons aller à Lemba, ils vont à Lemba. Ils tuent le poste de contrôleur. Ça, c'est parmi les postes qui sont visibles. Transco, aujourd'hui, n'a même plus des engins, des équipes d'intervention sur terrain. Ça aussi, c'est Kabila qui vous a mis là. Aujourd'hui, ils ont créé Transacadémia. En fait, une distraction. Une distraction. Une distraction. Parce que... Le PPRD, à l'époque, n'avait pas créé ça. Madame, madame, il faut être réfléchi pour comprendre ce qu'on a fait au pouvoir. En silence et dans la discrétion, mais en ayant l'amour du peuple. Toutes les lignes que fréquentaient énormément beaucoup d'étudiants. Nous avons disponibilisé énormément de bus. Il y avait des bus qui quittaient la ligne à 500 francs, qui étaient impossibles dans les transports privés, de Kinshasa et à Suka, jusqu'à à Liniki. Et lorsque vous arrivez à Liniki, vous trouvez beaucoup de bus Transco. C'était une politique académia que Joseph Kabila avait instituée, sans faire de bruit, pour éviter en fait le surcharge. Et à des moments, toutes les lignes que le bus Transco allait, même si vous allez ici vers la place des évolués, il y avait là-bas, si vous arrivez là-bas, vous allez trouver au-delà du nombre qui est convenu. Vous êtes en train d'épuiser votre temps sans pourtant parler des émoluments, s'il vous plaît. Les émoluments n'est que, c'est en fait, madame, pour vous montrer que le retour de Kabila est possible parce que la Constitution ne l'interdit pas. Un, la Constitution dit... Et de droit, sénateur à vie. Le droit, c'est quelque chose qu'on peut avoir, tout comme on peut perdre. Il ne dit pas « et définitivement » sénateur à vie. Ici, s'il vous plaît. Je réponds, madame. On fait la course avec le temps. Oui, je réponds à eux. Ah, et madame, cette question d'émoliment ne peut pas me prendre beaucoup de temps. Parce que nous savons que l'Union sacrée, je vous ai dit que l'Union sacrée ici joue à la distraction. On est en train de distraire le peuple. C'est un régime où le peuple ne fait pas confiance. Ils ne disent pas la vérité. Ils vont souper avec les ennemis du Congo. Ils vont signer des contrats avec le Rwanda. Ils vont signer des contrats. Ils signent des accords avec le Rwanda où ils reconnaissent que le Congo a des FDLR. Ils signent des accords avec, avec tout au détriment de l'avantage du peuple et des citoyens congolais. Mais madame, de ces gens-là, qu'est-ce que vous pouvez attendre d'eux? Mis à part la traîtrisme. Merci. Ce sont des traîtres. On doit les chasser du pouvoir, c'est tout. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Je donne une minute à chacun pour clôturer. Maître Winner, une minute comme on dit. Madame, j'aimerais que mon frère, lorsqu'il va revenir, il va reprendre la parole, qu'il nous donne un peu la signification du M23. M23, si ça signifie quoi? Et c'est à cela qu'il faut comprendre que l'insécurité a commencé bien longtemps, mais il n'a pas pu revenir, peut-être il n'a pas pu démontrer ça au fond depuis le commencement de l'insécurité jusqu'à ces jours. Donc je pense qu'il est de bonne foi quand il va revenir, il va comprendre que l'insécurité date de longtemps, mais bien quand même qu'eux, ils ont accepté de signer aussi un accord avec les Rwandais, qu'on appelle les hommes de M23. Oh. Donc je n'ai pas le temps d'entrer au fond et creuser parce qu'on nous a accordé qu'une minute. Mais en fait, madame, ici, ça doit être noté que constat qu'on refuse, constat Mutamba qu'on refuse, c'est cette table, mais quand même, à la fin, là, il y a des gens qui le défendent. À la fin, quand même. Là, il y a quand même des gens qui le défendent. Parce que moi, je n'y pensais pas qu'on pouvait critiquer constat et par la suite revenir pour le défendre. Donc, la population qui nous suit, ils sont en train de comprendre à
quoi ça se joue. Bon, de toutes les façons, nous ne sommes pas là. Nous sommes de l'IDPS. Je suis Winner en République démocratique du Congo et la population maîtrise très bien la personnalité de Maître Winner. On ne peut pas entrer dans les débats qui ne relèvent absolument rien ou soit qui n'apportent rien dans notre population. Et qu'à cela détienne, madame, laissez-moi dire un petit coucou à Kofi Tchiango qu'on appelle Kofi Tchiango. C'est qui? L'homme de Tchiango est en train de me regarder. C'est qui? Francis Tchibalabala. Merci. Donc là où il est, je l'ai salué. Moi j'avais écrit que tu allais citer Makiasi. Tu dis toujours les Babalabala. Votre mot de la fin, une minute. Bon madame, j'aimerais dire que le mal à ce régime, c'est le tribalisme dominateur qui est en train de pouvoir de chercher à dominer le peuple congolais, à assouvir le peuple congolais dans un esclavagisme destructeur. Aujourd'hui, il n'a pas lu le programme du gouvernement. Lorsqu'il lit le programme du gouvernement, on dit la résurgence du M23. Cela veut dire quoi? La reprise. Ce n'est pas le même. Le gouvernement reconnaît clairement que Madame Simima. Je parle de la création. Je parle de la réalité. Donc la résurgence, c'est le régime. Les avoir invités à Kinshasa, c'est Félix Tshisekedi. Les avoir libérés en prison, c'est le Félix Tshisekedi. Alors vous voulez parler de Kabila en quoi? Kabila est celui qui les a arrêtés. Kabila est celui qui les a envoyés en exil. Vous êtes ceux qui les utilisez pour faciliter le chaos à l'est du pays. Je vous condamne. Je n'apprécie pas. Prenez les micros, clôturez l'émission. Merci beaucoup. Et quand nous soutenons les chefs de l'État au sein de l'Union sacrée, nous devons éviter le populisme, les dialélo et toutes ces histoires qui n'ont rien à voir, qui amènent juste les gens à avoir des postes. Parce qu'à un certain moment, la vie ne vaut rien quand on vit pour soi-même. Mais la vie a un sens quand nous vivons pour les autres. C'est-à-dire, aidons les chefs de l'État, des fois avec d'autres sons de cloche pour permettre au chef de l'État d'aller plus loin et puis réaliser les objectifs, parce que le chef de l'État connaît que les gens ont besoin de manger, les gens ont besoin Constant Moutamba, parce que nous avons parlé bien de lui, mais c'est Constant Moutamba, vous êtes en fait l'espoir d'une nouvelle classe politique. Nous sommes en train de regarder votre façon de faire. C'est l'occasion en or qui vous a été donnée par le chef de l'État. Si vous travaillez très très bien, vous allez comprendre que vous deviendrez, parce qu'à un certain moment, on a besoin du changement de cette classe politique. Merci. Vous êtes des fois l'espoir d'une grande génération. En tout cas, frappez fort et nous croyons des fois à votre initiative. Et madame, pour ne pas oublier madame, celle qui vient de démissionner, il faut qu'on parle et nous saluons cette démission. On est arrivé à la fin. Nous saluons cette démission et puis bon, les restes nous le dirons à la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous nous reverrons à la prochaine occasion. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à Maître Winner. Merci à Justin Koulouba. Merci beaucoup madame. Merci Henri Similar-Kanda. Merci madame de nous merci avoir. Merci à Light Moutonge. Merci à Ena Koumbala. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu protège nos phares d'essai et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.